quelle serait la procédure adéquate mise en œuvre en cas extrême de la disparition de la société Okoff.com? Alors, par nature, Okoff.com est une société dans son fonctionnement qui a été pensée pour être résiliente. Donc, je dirais que déjà en amont, on essaie, nous, de fonctionner ou de penser pour que, déjà, la notion de faillite puisse ne pas nous concerner. C'est que l'or et l'argent que l'on détient pour vous reste votre or et votre argent et donc ne peut pas être mélangé au bilan, à la comptabilité de la société Okoff.com. Les métaux resteraient à leur place et ensuite il suffirait de définir des modalités de remise à disposition de ces métaux pour ceux qui souhaiteraient les retirer ou ce que l'on appréhende comme étant le plus simple, de très basiquement revendre ces métaux pour que chacun puisse récupérer le fruit de la vente et puisse ensuite le réinvestir auprès d'une autre société qui, elle, proposerait des services similaires. Comme vous le savez, on est audité de manière régulière et donc là aussi, par rapport à notre solidité, c'est de s'appuyer sur cette contrepartie totale des actifs que nous hébergeons pour votre compte.